Le nuage radioactif, il a frôlé la France. Le nuage dont vous avez parlé tout à l'heure est un nuage dont la radioactivité, de toute façon, ne comporte pas de danger pour la population. Pas de danger pour la population. Le vaccin est sûr. La toxicité, là, on peut être catégorique, ça ne présente absolument aucun danger. L'affaire du sang contaminé. Il savait qui tuer. Au mieux, vous pouvez y aller, il n'y a aucune inquiétude à avoir. 5 à 15 000 personnes ont été contaminées par le virus du sida à cause d'une transfusion sanguine. Je ne me sens pas coupable. Et Laurent Fabius plaide l'ignorance. En 1994, la croisade contre le virus de l'hépatite B est lancée. Pour éviter cette grave maladie, il y a une protection, le vaccin. Se faire vacciner. Faites-vous vacciner. Mais très vite, le vaccin est soupçonné d'être responsable du développement de la sclérose en plaques. Nous avons acheté tous les brevets sur l'hépatite B. Et maintenant, vous les concurrents, si vous voulez venir sur le marché, mais vous allez devoir négocier avec nous. Après, on a développé, si vous voulez, des vaccins combinés. C'est-à-dire, on a mis l'hépatite B avec tous les autres produits qui n'étaient pas protégés par brevet. Et en faisant ça, on rendait évidemment les produits combinés protégés. Mais donc, la stratégie, c'est pas plus compliqué que ça. Le laboratoire a donc cherché à créer un monopole. Nous avons confié aux États européens le soin de contractualiser avec tous les laboratoires. Faites-vous vacciner. Une communication de Pfizer et BioNTech qui nous disent que ce vaccin est sûr et bien toléré par ces enfants. Il y a 11 ans, le laboratoire pharmaceutique Pfizer est venu tester un médicament. En mai dernier, le Nigeria a décidé d'entamer un procès contre Pfizer. Elle avait une fièvre et maintenant ma fille a une maladie beaucoup plus grave. Pfizer, bien toléré. Le vaccin est sûr. Faites-vous vacciner. Le procès du Mediator s'est donc ouvert hier au tribunal correctionnel de Paris, un procès qui devrait au moins durer 6 mois. Ah ben non, ils ne sont pas responsables. Non, il n'y a aucun problème. Quasiment, il ne s'est rien passé, vous avez rêvé.